crache le morceau si tu veux pas que je te brise la nuque. Te gêne pas, j'ai pas peur de toi, Fisher. Pas encore. C'est un dispositif IEM là-bas. Comment je l'arrête? Je sais pas. Et même si je le savais, je te le dirais pas. Enfoiré! Très drôle. Allez, te fais pas prier. Je sais vraiment rien d'autre. Je le jure! J'ai pas que ça à faire. Qui peut m'aider, alors? La scientifique! Amenée par Prentice! Dans l'entrepôt! Elle sera éliminée une fois les EM activés! Elle sait, elle! Eh ben voilà! Qui va passer par ici? C'est ce qu'il y a de plus logique. Il est là pour désactiver Big Boy directement à la source. Et la meilleure façon, c'est de passer par ici. Ouais. T'arrives trop tard! Trop tard pour elle, et trop tard pour t'être arrêté! Autant abandonner et mourir tout de suite, comme ta fille! Mais t'inquiète pas, Sam. Tu vas pas tarder à la rejoindre. Ça va! Je veux le voir! Je vois pas l'ennemi. Restez là! Laissez l'ennemi faire le premier pas. Contact! Oh mon Dieu! Mon Dieu! C'est pas qui tu es, son Fisher. Je rêve, il faut l'arrêter une bonne fois pour toutes. Je répète, n'avancez pas. Déployez-vous sur la position. On va la... Aucun visuel. Je ne vois pas la cible. La zone est dangereuse. On va rester en position ici. Bougez pas. On reste ici et on l'attend. Rien à dire. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous faites ici, mais... Merci. Ils allaient me... Laissez tomber. Il y a une IEM armée à 100 mètres environ. Elle doit être déclenchée ce soir. Comment je l'arrête? C'est impossible. Il y a deux générateurs sur ce site. Une fois activés, ils alimentent l'IEM, qui devient alors opérationnelle. C'est quoi le truc? Si vous détruisez l'un des générateurs, l'autre est activé en backup. C'est suffisant pour déclencher l'impulsion. Donc, je dois les neutraliser en même temps. Oui. C'est la seule option.
Vous êtes accompagné? Sinon, c'est impossible. C'est toujours possible. Partez, ça va devenir pourri niveau ambiance ici. L'ambiance va être pourrie. Partout. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas vous aider davantage. C'est à ce moment-là que ça s'est compliqué. Ça n'avait pas été facile, mais j'avais réussi à convaincre Sarah de monter à bord de l'hélico et on était en route pour rejoindre Sam. Mais il y avait déjà trop de choses en branle pour ça et nickel, et Sam ne réalisait pas encore contre qui il se battait réellement. Et marquer les générateurs de l'IEM pour que je les dégomme, c'était rien que le début. Trouvez la cible et neutralisez-la. Allez! Fisher est toujours en cavale. Trouvons-le. Fouillez le moindre silo s'il le faut. Défilé. Fini de jouer maintenant. Je suis pas sûr de pouvoir leur faire.
Fisher, crève ! Vic, mauvaise nouvelle. Ça m'aurait étonné. C'est quoi le topo ? Les deux générateurs qui alimentent l'IEM. Je dois les détruire en même temps, mais j'ai plus de C4. Marque-moi leurs coordonnées GPS. Je verrai ce que je peux faire quand je serai là. Ok, ça marche. Il est temps de dégager. Il est temps de dégager. Sam Fisher serait dans les parages. Et franchement, c'est le cadet de nos soucis. On a une mission à accomplir une fois que ce petit bijou aura été activé. Et je compte sur vous pour la mener à bien. C'est une mission prioritaire. Tout le monde a bien compris? Si vous croisez Fisher, vous avez toute liberté pour le descendre. Allez, on se dépêche! On n'a plus beaucoup de temps, les gars! Ça s'annonce mal. Laisse-leur le temps, ils essaient juste de faire ça bien. Oui, ils sont morts. Il y a eu des coups de feu. J'ai rien entendu, moi. Et alors, où tu veux en venir? Si nos gars sont là-bas et que Fisher est pas mort, ils devraient le canarder, non? Ouais. Comme il n'y a pas eu de coups de feu, ou bien Fisher les a tous liquidés, ou bien ils l'ont buté. Mais s'ils ont eu Fisher, pourquoi ils le disent pas? Merde. À nous de jouer. Ok, okay. J'ai du mouvement. Fuck you!
crois que j'ai quelque chose. Attendez. Reçu. Voilà une cible, c'est tout ça. J'ai un truc pas normal, je vais voir ce que c'est. Une activité une cible retour. De récupérer Sarah. Elle est à bord avec moi et on arrive. Papa, qu'est-ce qui se passe? Victor a commencé à m'expliquer, mais je sais pas ce que je... Ne t'inquiète pas, mon cœur. Tout va bien se passer. On est là dans deux minutes, Sarah. Mais il me faut les coordonnées du deuxième générateur pour pouvoir t'aider. Je te connecte sur les coms de Prentice. Sois gentil, fais pas descendre avant que j'arrive. Demande l'autorisation de faire feu, chef! Accordé! Le voilà! Arrivez-le! Oui, chef! Je capte sur la fréquence de Black Arrow, on doit vraiment foutre le camp! Allez, go! Est-ce que tout le monde a sa ceinture? Prochain arrêt, la Maison Blanche. Grimm est déjà là-bas? Aux dernières nouvelles, elle m'a demandé de trouver Sarah. Elle m'a dit qu'elle allait essayer d'arrêter Reed.
Silence radio depuis. On va l'aider, hein, papa. Elle a veillé sur moi quand t'étais parti. Elle aurait pu me laisser en plan avec ma nouvelle identité. Mais elle a tenu sa promesse. Alors pas question de la laisser tomber maintenant. N'en fais pas, Sarah. On est en route. Donne-moi une minute. Va juste falloir trouver un plan de vol qui ne traverse pas le champ d'action de l'IEM. La vache. Et dire que ces trucs sont censés être propres. Et dire que tous ces gens en bas ignorent ce qui s'est passé. Reed, merde, fallait pas faire ça. Un missile ! Accrochez-vous ! Accroche-toi ! Je me doutais pas qu'il servait de la DCA autour de la Maison Blanche. Je m'étais bien gouré. D'être vivant. Tiens! Attends une minute. Bon, je peux dire adieu à ça. Pas la fin du monde en même temps. Ça te servira plus qu'à nous, non? Où t'as trouvé ça? Dans l'hélico. C'est le seul truc encore entier. Ouais, c'est l'effet lance-roquette. Ça rigole pas, ce machin. Sam? Mais qu'est-ce que tu fous encore là? Bouge-toi! Il t'attend dans la Maison Blanche! Vic, j'abandonne pas ma fille ici. Sarah, tu crois que tu peux arriver jusqu'à moi? Ça va aller, papa. T'inquiète pas, Sam. On est à deux rues de mon bureau. Mes gars sont là dans pas longtemps. Grimm compte sur toi. Allez! Grimm attendra. Je ne ferai pas courir de risque à Sarah. Papa, Vic a raison. Il y a des gens qui comptent sur toi. Allez, t'inquiète pas. On se voit très vite.